Qui veut organiser l'Eurovision en 2025? Cela sera en Suisse, puisque c'est l'artiste Nemo, originaire du pays, qui a gagné le dernier concours. La société suisse de radiodiffusion et de télévision a envoyé une liste détaillée des conditions à remplir aux villes candidates. Elles ont jusqu'à juin pour peaufiner leur dossier et le choix sera annoncé au mois d'août. C'est justement la Suisse qui a conçu et organisé la première édition de ce concours de chansons en 1956.